Selon une étude d'économistes français publiée mercredi, l'afflux de migrants en Europe aurait un impact positif sur l'économie. Leur travail porte sur 15 pays d'Europe de l'Ouest, sur une période de 30 ans, 1985 à 2015. Les demandeurs d'asile auraient un impact neutre les premières années, et positif lorsqu'ils deviennent des migrants permanents. De Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien d'extrême droite lancé dans une croisade anti-bateau d'ONG de secours aux migrants, à Viktor Orban, le premier ministre conservateur hongrois partisan de la pénalisation des ONG et dans les migrants, sans oublier les critiques reçues par la France après la récente crise de l'Aquarius, et la question des flux migratoires occupe le premier plan sur la scène politique européenne. Si l'accueil des migrants divise nombre d'États, l'impact économique de tels flux migratoires fait aussi l'objet de nombreux désaccords. En France, en 2013, Marine Le Pen avait notamment avancé un coût économique de l'immigration de 70 milliards d'euros par an, en se basant sur des études intégrant des coûts indirects, contrairement aux méthodes de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Mais selon une étude de trois économistes français du Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, de l'Université de Clermont-Auvergne et de Paris-Nanterre, publiée mercredi dans la revue Science Advance, loin de représenter un fardeau pour les économies européennes, les flux de migration auraient au contraire un impact positif. Explication avec l'une de ses auteurs. L'augmentation du flux de migrants permanents diminue le taux de chômage. Le travail des trois économistes, Hippolyte Dalbi, Ekram Boubtein et Draman Koulibaly, repose sur les données Eurostat et OCDE de 15 pays d'Europe de l'Ouest, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède. Celle-ci recouvre une période de 30 ans, de 1985 à 2015. L'étude du CNRS diffère des précédentes études sur le sujet car elle ne repose pas sur une hypothèse de base comme l'explique Ekram Boubtein, enseignant-chercheur de l'Université Clermont-Auvergne au Centre d'études et de recherche sur le développement international. Le modèle que nous estimons est athéorique, il s'agit du modèle introduit par SIMS, qui laisse parler les données. Il permet d'évaluer les effets économiques sans imposer d'importantes restrictions théoriques. Nous n'avons pas besoin, pour estimer ce modèle, de faire des hypothèses sur les liens entre les flux migratoires et les variables économiques. En se basant uniquement sur les données de l'OCDE et d'Eurostat, les trois économistes ont ainsi pu constater une diminution du taux de chômage moyen de 0,12 points de pourcentage en moyenne pour les 15 pays d'Europe de l'Ouest l'année du choc, qui se traduit par une augmentation du flux de migrants permanents. Et l'effet est significatif jusqu'à 3 ans après, précise Ekram Boubtein. Augmente le PIB par habitant, l'impact positif de ces flux de migration sur les économies européennes se ressent aussi sur un autre critère, le PIB par habitant. Cet agrégat permet d'évaluer le niveau de vie matériel moyen. L'année du choc, on observe une augmentation importante du PIB, habitant de 0,17%. L'impact est significatif pendant 4 ans après le choc, explique l'économiste. Ce phénomène a notamment pu être observé en 2007, l'année de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ekram Boubtein détaille ainsi, cela a entraîné une augmentation des flux de migration en Europe, qui ont pu se traduire par une augmentation du PIB par habitant pendant plusieurs années. C'est un choc temporaire, une des explications que nous pouvons avancer, c'est que les migrants sont en moyenne plus jeunes que les résidents de ces pays, ils contribuent donc au financement des dépenses sociales, notamment les retraites, ajoute-t-elle. Autre facteur envisagé, la migration familiale.
Lorsque les migrants s'installent en famille dans un pays, ils sont susceptibles d'avoir plus de dépenses de consommation que les résidents. C'est ce qu'on a montré dans une autre étude portant uniquement sur la France, indique l'économiste. En outre, les dépenses publiques supplémentaires entraînées par cette augmentation du flux de migrants permanents s'avèrent au final bénéfiques. D'après Ekram Boubtein, ces dépenses augmentent mais elles sont plus que compensées par l'augmentation des recettes fiscales. L'année du choc, on est sur une amélioration du solde budgétaire de 0,11 point de pourcentage du PIB. L'Aquarius, symbole des désaccords européens sur l'accueil des migrants, Pobarena, AFP les demandeurs d'asile. N'ont pas d'impact économique négatif. L'étude qui distingue bien, dans ses résultats, les migrants permanents et les demandeurs d'asile, qui ne sont pas assurés d'obtenir un droit de séjour permanent au terme de la procédure, montre en outre que ces derniers n'ont pas d'impact économique négatif. Ekram Boubtein explique, leur arrivée n'a pas d'effet immédiat sur l'économie, l'effet est significatif 5 ans après le choc, et avec des effets positifs. L'une des explications possibles, c'est que les demandeurs d'asile rentrent plus tardivement sur le marché du travail car ils ne sont généralement pas autorisés tandis que leur demande d'asile est en cours d'instruction. Leur impact semble positif lorsqu'ils obtiennent le statut de résident permanent. Ne sont pas une charge économique. Partageant l'avis de ces deux co-auteurs, Ekram Boubtein estime enfin, nos résultats indiquent que les flux migratoires ne sont pas une charge économique sur la période étudiée. En moyenne, pour les 15 pays européens considérés, nous identifions des effets positifs des flux migratoires. Dans son communiqué, le CNRS estime en outre que la crise migratoire en cours pourrait être une opportunité économique pour les pays européens. Les trois économistes appellent donc à réorienter la nature des discussions en cours en Europe. On pense que le débat ne devrait pas se focaliser sur le coût économique des flux migratoires. Il faut donc le recentrer sur des questions politiques et diplomatiques.